Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kim et Guillaume sur les Sims 4 avec la famille GK. Bon bah elle a cassé la machine à café, hop, elle va aller dormir. En même temps elle a pas dormi de la nuit je pense, il est 6h du matin. Bon. Alors on va continuer avec cette petite famille en espérant que... Ah mince. Nourrir... Oh là 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 là. Dormir. Mon dieu. En espérant que Lucas grandisse dans cet épisode, hein, on va espérer. Donc elle est triste parce que elle a faim. Bah Guillaume, il va aller préparer à manger. Ah bah il a commencé. Oh mon dieu, reprendre omelette. Ah mais c'est que pour lui je pense. Il a fallu pour toute la famille, ça aurait été mieux. À moins que. Non c'est que pour lui. Bon. Bah il servira à manger après. J'entends lui qui pleure parce que changer la couche sale, apaiser, nourrir. Et qui m'avait allé se rendormir après. Dormir. Voilà. Guillaume il va aller préparer le petit déjeuner. Fruits, yaourts, tiens ça va aller vite. Allez, allez. Allez plus vite que ça, mange plus vite que ça. Voilà. Et après, elle va aller prendre une part de fruits yaourt. Voilà. Prendre une portion. Et le petit... Prendre une portion. Guillaume, il va aller réparer la machine. Pourquoi ils veulent pas prendre ? Bon bah débrouillez-vous. C'est bon, vous avez faim, on vous propose un truc et vous voulez pas. Voilà. Prendre une portion. Jeter, voilà. Bon, est-ce qu'il y en a qui travaillent aujourd'hui ? Guillaume ne travaille pas. Kim. Ah, elle travaille... Il faut qu'elle aille jouer du piano avant toute chose. Voilà. Donc c'est bon, tout va bien, tout le monde est en train de manger. Tout le monde est content. On va pouvoir reprendre la vie normale. Bon, ça a l'air de se passer bien. La femme et ménage est là, Kim est en train de dormir. Bon, je pense que je vais la réveiller parce qu'il est midi, il faut qu'elle aille. Faut qu'elle aille. Manger une portion, prendre une portion, il faut qu'elle aille un peu jouer du piano pour finir son... ses devoirs, sa tâche du jour, voilà. Ah, je sais pas si elle va pouvoir. Le bébé, il pleure tout le temps celui-là. Hein. Tout le temps. Hein. Bon, bah Kim, je pense qu'elle aura pas le temps de jouer du piano. Hein. C'est son travail, c'est dans une heure, et vu qu'ils mettent une heure à manger un fruit et un yaourt, il veut du sucre. Il veut du sucre. Bah, t'auras pas de sucre. C'est pas bon, le sucre. C'est pas bon pour les dents. Alors, lui, normalement, il doit être au niveau 5 de tout, hein, si on avait bien vu la dernière fois. Bah, tiens, mange ton truc. Elle est triste. Bah, va jouer avec un jouet, avec Monsieur Miaou. Et quand est-ce qu'il grandit, lui? Moi, j'aimerais bien qu'il grandisse, le petit. Normalement, il devrait grandir. On va réessayer de faire un gâteau. Parce que ça m'énerve de pas faire une recette spéciale. Non. Préparer un repas gastronomique. Non. Cuisiner. Gâteau au chocolat. Parce que de toute façon, il n'y a pas de gâteau d'anniversaire. Donc je suppose qu'il y a un gâteau. Zombie, gâteau aux fraises, gâteau... C'est ce que j'avais vu la dernière fois. Bon, il va essayer de cuisiner un gâteau et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà. Lui il est triste. Pourquoi il est triste? Parce qu'il va aller sur le pot. Bah va sur le pot. Allez sur le pot. Et Guillaume... Bon. Changer la couche sale. Tout le monde crie là. Il va aller reprendre son truc. Reprendre gâteau au chocolat. Voilà. Allez, tu l'apaises. Et hop, tu vas reprendre la cuisine. Bon, qu'est-ce qu'ils ont maintenant eux? Ils sont sales.
Et il veut aller sur le pot. Bah, il s'est dit d'aller sur le pot. Voilà, c'est bon. Bon, allez, Guillaume, dépêche-toi de préparer le gâteau au chocolat. Et on va mettre. Je comprends pas. Faut qu'il ait. Ah, ajoute des bougies d'anniversaire. Ah, on va y arriver. Et donc le petit, s'il fait demander de l'aide pour souffler les bougies à Guillaume. Mais demander de l'aide pour souffler les bougies à Guillaume. Viens ici. Ou alors si je fais le contraire. Célébrer. Plus de choix. Aider à souffler les bougies. Lucas. Il est bloqué? Ah! Voilà! Il a soufflé les bougies. Du coup, normalement. Ah! Lucas a vieilli! Mais enfin! Donc, sélectionner une inspiration et un trait de caractère pour remplacer le trait. Alors, on va lui mettre, tiens, faculté. Faculté mentale. Ce Sims veut être l'enfant le plus intelligent de l'école ou faculté? Oh non. Faculté. Ceci... Enfant très sociable. Bah non, on va lui mettre des facultés, il va devenir le plus intelligent. Et du coup, il va être sûr de lui. Voilà. Donc, quelle tête il a? Pourquoi a-t-il des lunettes? Alors que ni Guillaume ni moi avons des lunettes. C'est pas grave. Bah, vous pouvez prendre une part de gâteau, hein. Bon, bah, on va le ranger. Ranger. Donc voilà, maintenant, il faut lui changer son lit. Oui, tout le monde crie là. Faut lui changer son lit parce que ce n'est plus un bambin, c'est un enfant. Donc il faut mettre un lit d'enfant. Hop là. C'est un lit d'enfant. Ah non, c'est un lit de bambin. Un lit petit, donc ça va être de bambin. On va lui mettre un cercueil, non? Bah, un lit d'enfant. Enfin, un lit normal quoi. Ado? Non? Lit ça? C'est pas un lit bambin ça. Inconfortable pour les adultes. Bah non. Ah, votre enfant. Donc c'est un lit d'enfant. On va lui mettre un lit. Bon, lui il est bien. Hop, voilà. Voilà, voilà. Donc il a grandi le petit. Par contre il est horriblement habillé. On va le changer. On va lui mettre d'autres habits. On va le laisser manger. Ah non, ranger. On va lui mettre d'autres habits, changer de tenue. Ah non, ça c'est sa tenue. Bon, on va tout changer. Hop. Voilà. On va lui changer de coupe aussi. Faut qu'il ait les cheveux longs. Alors, au niveau cheveux. Non. On va lui mettre ça. On va lui mettre ça. Alors, au niveau vêtements. Qu'est-ce qu'il propose en bambin? Yeah! Rock'n'roll! Une chemise. Ah, ça c'est pas mal. Veste en jean. Avec un truc comme ça en dessous. Ouais, ça fait bien ça. Un bas, on va lui mettre un jean, mais peut-être plus foncé. Ou un jean délavé comme ça. Oh non. Comme ça. Ouais, c'est bien. Et. Des chaussures. Qu'est-ce qu'on. On va lui mettre des chaussures comme ça. Non, c'est. Oh, hideux. ouais. Des mocassins, non. Ça, c'est pas mal. Ou des baskets. Oh, des baskets. Allez. En. Oh là 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 là. C'est un peu spécial comme. Dis, on va lui enlever les lunettes. Et le collier. Voilà. Et donc, en vêtements, on va lui mettre. Faut qu'il soit habillé. Ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est pas trop mal. Avec le même pantalon, mais. Plus foncé. Ouais. Et les chaussures. Bah, celle-là, mais en. En marron. Hop. Voilà. Pour.
Pour l'entraînement, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Bon, un truc comme ça, plus long, c'est mieux. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas. Bah tiens, marron. Et en haut. Marron rouge comme ça, c'est pas mal. Puis avec les chaussures. Ennui. Ennui, mais arrêtez de mettre des lunettes, c'est pas possible. Hop, voilà. Ennui. Oh là là, c'est pas beau ça. Ça. Et en bas. Ça. Et couleur de chaussons, moi je vais changer la couleur de chaussons. Hein. On va mettre des chaussons. Des chaussons bleus. Bleu foncé, pour aller avec le haut. En soirée. Enfin, en fait, fête. L'autre c'était. Donc ça c'est soirée. Non, ça c'est bien habillé. Habillé, pardon. Et donc là c'est fête. En fait. Oh bah, je vais mettre un truc comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, on va enlever les converses, hein, parce que c'est. Pas très joli. Bah, comme ça, c'est très bien. Et. En baignoire. En baignoire. En maillot de bain, on va lui mettre. Mais vêtements de bain? Il y en a pas? Ah si. Bon, en short, ça va être plus stylé. Ah, ça c'est pas mal. Allez, on part là-dessus. Hop, voilà. Donc, on a changé l'enfant. Comme si on pouvait changer un enfant. Ah bah si, la coiffure. Coiffure vêtements, on peut. Hein. Mais du coup, ce sera mieux. Ce sera mieux que les lunettes, puis les cheveux longs. Ça correspond plus à Guillaume et moi que des cheveux courts. Voilà, donc le petit Lucas a bien grandi, enfin grandi tout court, parce que il est encore un enfant. Hein. Il a voyu. Hein. Donc voilà, tout le monde a fêté l'anniversaire. Qu'est-ce qu'il veut? Contempler une œuvre d'art au musée. Bon, non. Faut qu'il aille se coucher peut-être, Guillaume, parce qu'il est un peu fatigué là. Il est dans le jaune, sachant qu'il est, il a une compétence qui lui permet d'être moins fatigué. Quand il est dans le jaune, ça veut dire qu'il est très fatigué. Oh non, c'est pas vrai ça! Changer la couche, nourrir, apaiser, bercer, et hop, tu peux retourner dormir. Qui m'est toujours pas rentré. Oh là là, elle va venir, elle va être tendue et tout. Rien ne va aller. On va direct la mettre au lit. Dormir. Allez hop hop hop. Au dodo. Tout le monde au dodo. Ouais, je vous ai dit, hein, elle est tendue. Comme tout le temps. Ne pleure pas! Ne pleure. Ah, cool. Il dort. Tout le monde dort, tout va bien et on se retrouve demain matin. Alors, du coup, tout le monde est réveillé et c'est donc le premier jour. Le bébé, il arrête pas de pleurer. Qui m'avait pété un câble. c'est le premier jour d'école pour Lucas, normalement. Ouais, cours dans 2 heures. Donc, on va voir comment ça se passe pour les devoirs. Mais normalement, Kim. Doit avoir un enfant obtenant une moyenne de A au lycée. Ah ouais, non, au lycée. Et aider un enfant trop à faire ses devoirs 3 fois. Donc il faut qu'elle aide Lucas à faire ses devoirs 3 fois. Donc lui, il mange tranquille. Par contre, il a besoin d'aller aux toilettes avant de partir. Donc hop. Voilà. Il a vraiment eu envie d'aller aux toilettes. Hein. Sinon, tout va bien. Donc, il n'a plus qu'à patienter pour aller à l'école. Il va y s'asseoir. Voilà. Comme ça, il n'a plus bougé. Et il n'y a plus qu'à attendre. Que l'école commence. Non. L'école commence. Mince. Allez, allez. Voilà. Donc, premier jour d'école pour Lucas. Tout va bien. Kim... Elle ne travaille pas, elle travaille aujourd'hui, donc il faut qu'elle aille jouer d'un instrument. Jouer un concerto, tiens. Guillaume, il était malheureux parce qu'il n'avait pas joué à l'ordinateur depuis très longtemps. Donc je l'ai mis sur l'ordinateur. Là, il va aller ouvrir. Bah, il va aller manger son fruit au yaourt. Prendre une portion. Hop, voilà, parce qu'il a faim. Le petit, il a faim. Après, il ira prendre une douche. Il est concentré. Il veut aller à la bibliothèque. Ah oui, il faut qu'il aille au musée aussi. Ah, Lucas prend son déjeuner dans son sac à dos. Lorsqu'il aperçoit
Quelque chose de rouge à l'intérieur, c'est un petit mot en forme de cœur sur lequel il est écrit « T'es trop mignon ». Oh, c'est trop mimi. Rien d'autre. Il croit qu'il pourrait s'agir de la nouvelle élève qu'il observe très souvent. Doit-il poser la question ou attendre la suite des événements? Attendre la suite. Lucas décide d'attendre la suite des événements, bien sûr, pendant le déjeuner, des amis qui lui rient et lui font signe. Hey, « Hé, tu sais quoi, t'es mignon, toi ?» Le gars sort le mot, leur lance dessus et rit avec eux. Un jour, cela arrivera pour de vrai, mais il est soulagé que ce ne soit pas aujourd'hui. Téléphone, téléphone! Ah, non. Oh, quand même. Donc, Guillaume est détendu. Ah oui, il faut qu'il aille se doucher. Prends une douche. Voilà. Il finit son gâteau, il va prendre une douche. Et il aura fini l'école quand, lui? À 15h. À 15h, il finira l'école. Et d'ailleurs, on est à 183 000. 143 000, pardon. Et il reste encore 100 000 à Guillaume! Oh là 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 là, c'est trop long! Il faut qu'il aille aux toilettes. Bah, va aux toilettes. Kim, elle travaille à 14h aujourd'hui. Tout va bien. Non, normalement, sa compétence piano. 75% effectuée, donc pas tout à fait. Ça va bientôt être à 100%. On va l'arrêter. Voilà, on va l'arrêter. Et puis, il faut qu'elle aille manger. Ouvrir. Prendre un morceau. Voilà. Voilà, Guillaume, il sait plus quoi faire. Il va aller aux toilettes. Oh, Paul est très triste. Elle a faim. Elle a envie d'aller sur le pot. Poser Luna ici. Il faut qu'elle mange les nuggets de poulet. Ah non, ils sont pourrites. Nettoyer. Nettoyer. Et on va ouvrir. On va poser ça. Et il va prendre un morceau pour Luna. Vas-y, prends un morceau pour Luna. Pose-lui, pose-lui, pose-lui. Pose-lui sur sa tablette. C'est une blague. Bon, hop, voilà. Bah, Luna, faut qu'elle mange maintenant. Voilà. Kim part travailler. Lucas rentre dans une demi-heure. Alors, je sais pas si lui peut s'occuper en tant qu'enfant des bambins. On va essayer. Oh, elle est très triste. Elle est très très triste. Ah, ça y est, Lucas est revenu de l'école. Donc maintenant, mais les professeurs d'établissement école élémentaire Plénosas pensent qu'il pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. Ce qu'il va faire, c'est faire ses devoirs. Voilà. Lui, faut qu'il aille. Qu'est-ce qu'elle a besoin, elle? Elle est sale. Donner un bain à Luna. Et donc, on va voir si le petit, là, cet enfant, il peut... Ah, il ne peut juste parler et babiller. Allez, va donner un bain à Luna. Voilà, c'est bien. Voilà. Tout va bien, à part lui qui pleure, mais on va faire comme s'il pleurait pas, hein. Ah, Lucas a terminé ses devoirs pour aujourd'hui, il est heureux, et par contre il est en manque de divertissement. Bah, il peut aller jouer à ça. Oh! Il travaillait aujourd'hui? Oh oh. Engagez Nounou. J'espère que elle va arriver vite. Viens la Nounou. Ah, c'est bon. C'est elle la nounou? Bah, il faut qu'elle rentre. Voilà. Link a très faim. Bah oui, mais en même temps, il est parti travailler sans s'occuper de ses enfants, lui. Bah bravo, hein. Je ne te félicite pas, Guillaume. Ah, déodorant à promouvoir. Ah oui, non, non. Faut refuser. Faut refuser. Il est confiant. Bon, c'est bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est bon, hein, elle s'occupe du petit. Bon, ça a l'air d'aller. Heureusement que j'ai engagé une nounou. Hein. Ah, Guillaume, il est fatigué. Mon Dieu, c'est pas souvent que Guillaume est fatigué. Hein. Kim, elle a besoin d'hygiène. Bah, elle va rentrer, elle va aller tout de suite se laver. Prendre une douche. Voilà. Bon, tout va bien. Il y en a deux qui sont en train de dormir. Lui qui va pas tarder d'ailleurs. Il va aller aux toilettes et il va aller dormir.
Kim vient de rentrer, elle est tendue, elle va aller prendre une douche, elle va lui faire du bien. Voilà. Oh, embarrassé. Vite! Se cacher. Bon, on va pas se cacher. Guillaume est rentré, il a besoin de dormir. Dormir. Kim, elle a fini, elle va aller dormir. Voilà. Voilà. Et voilà. Ouh! Presque tout le monde est en train de dormir. Il y a une nounou qui s'occupe du petit. Qui va y partir. Ah non, qui reste. Bon, bah reste si tu veux. Si t'as envie, fais-toi plaisir. Tout le monde est en train de dormir. Bah on se retrouve demain matin. Donc voilà, tout le monde est réveillé. Tout va bien, à peu près. Hein? Kim va aller jouer d'un instrument. Parce qu'elle travaille aujourd'hui. Elle va jouer un concerto. Oula. Voilà. C'est bientôt l'école, donc hop, il faut se réveiller. Elle, elle dort, mais elle va très très bien parce qu'elle a besoin de divertissement. Et le bébé, bah, le bébé, il est bébé. Hein. Il dort, c'est-à-dire. Donc là, tout a l'air de bien aller. Tout va bien, je ne trouve pas Guillaume. Il est là. Est-ce qu'il travaille aujourd'hui, lui? Ah oui, donc il faut qu'il aille jouer aux jeux vidéo. Touk touk touk, jouer au refuge. Donc rapport de droit d'auteur, tout va bien. Oh là, il y a moins en moins de choses. Faudrait que Kim elle aille. Qu'est-ce qu'elle a encore? Déposer un morceau. Cristal. Quand elle aura fini son concerto. Bah tiens, bah, hop, on va lui faire terminer avant. Donc elle va aller déposer un morceau de violon. Bah, ce serait bien qu'elle réécrive un livre en fait. Ah mais là c'est trop tard parce qu'elle va aller travailler. Hop là. Voilà, bon bah faites ce que vous voulez parce que de toute façon vous êtes tous en forme. Est-ce qu'il a fini son truc là? 50%, non pas tout à fait. Bon bah voilà. Le petit... Tout va bien. Oh mais il m'énerve lui hein. On t'aime pas. Elle est toujours en train de dormir. Mais elle a besoin de divertissement. Bah joue à la poupée. Réveille-toi. Parce qu'il est un peu le midi. Ah non, faut qu'elle aille faire pipi. Allez sur le pot. Allez sur le pot. Et après, elle va aller jouer à la poupée. Kim, bah tout va bien. Oh non, il a pété l'ordinateur! Réparer. Se faire quoi? Se faire des contacts e-sportifs professionnels. Tu peux faire ça? Bon, on va essayer. Carrière, non? Non? Foyer? Non? Plus de choix. Web. Regarder des vidéos. C'est une recherche. Faire des recherches sur des techniques de drap. Faire des choses sur le violon. N'importe quoi. Hop, Simpedia, non. Commander, ouvrir le carnet. Plus de choix. Donc, discuter peut-être? Ah, se faire des contacts sportifs. Ah oui. Bon, elle va nettoyer. Par contre, le petit... Il va pas bien, vous n'entendez rien peut-être. Nourrir, allaiter, faut s'en occuper, hein? Ah, bah Guillaume, on sait même pas s'il s'est fait des amis sportifs. En tout cas, il est confiant, en même temps, il a bien travaillé à l'école, normalement il a A. Il a fait ses devoirs, donc tout va bien. Le petit bébé est pas bien, mais Guillaume est en train de s'en occuper. Apaiser, babiller, tu la nourris, nourrir au biberon, je sais pas, fais ce que tu veux. Et d'ailleurs, elle en est où de ses compétences? Mince. Ah, plus que réflexion. Donc, il faudrait qu'elle... Normalement, il y a un iPad qui est par terre, là. Ah oui, là. Joue à SteamForce. Elle bug pas un peu? Elle est toujours en train de réclamer, demander à manger. Ah bah, mais en même temps, c'est la fin. Hein. Oui, bah, hein. Bah, elle a pas faim. Ah, Guillaume commence son travail. C'est le week-end. Lucas termine la semaine avec une moyenne de C à l'école. Est-ce vraiment satisfaisant? Bah, c'est satisfaisant, mais en même temps, il vient d'avoir. Il vient de rentrer à l'école. Ah, les bambins ne peuvent pas rester seuls. Ah, mais non. Engage une nounou. C'est mieux une nounou, je trouve, au final, que la garderie, parce que. Au moins, elle s'occupe d'eux, donc c'est mieux. C'est elle la nounou, c'est pas toi. Pousse-toi, toi. Donc Lucas, il dort.
D'accord, je savais pas qu'il était fatigué. Mais il est pas fatigué. Il va prendre une douche plutôt. Prendre une douche. Donc le petit Link, il va grandir. Bientôt. Ah, il a envie de faire ses devoirs. Finir de lire un livre. D'accord. Elle, normalement. Ah, bientôt. 94%. Mais il faut que tu fasses. Allez, allez. Plus que. Plus que. Ah, voilà. Bon. Elle peut grandir tranquille dans 6 jours. Et elle va aller dormir. Dormir. Bon, ce sera mieux quand il y aura que des enfants. Enfin, ce sera pas mieux, mais ce sera plus agréable à gérer que tous ces cris partout, toutes ces demandes de faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Enfin, ce sera mieux. Voilà. Donc Lucas, il est bien, il n'est pas fatigué, il a faim. Est-ce que lui peut se préparer à manger? Ah, il peut manger un repas rapide, donc c'est déjà pas mal. Repas au micro-ondes. Voilà, il peut au moins faire ça si vraiment il a faim, ça évite de ah maman j'ai faim, gna gna gna. Ouais, c'est normal, hein. Et puis c'est ça la complexité qu'il y avait dans les précédents Sims, qu'il n'y avait plus au début des Sims 4 avant la mise à jour des bambins. Et c'est beaucoup mieux, je trouve. L'apprentissage et tout. Bon, Kim, toujours tendu quand elle rentre du travail. Hop, essayez de se calmer. Voilà. Lui, il est toujours concentré. Ah, mais il est fatigué. Là, il commence à être fatigué. Dormir. Voilà. Luna, elle a faim. Bah, Luna, elle va aller. Elle a pas mangé dans son truc là? Non. Ah, mais ça va être gâté, tout. Bah oui. Bon. Kim, elle va aller donner à. Non, pas à boire. À manger. Donner à manger à Luna. Un sandwich jambon fromage. Voilà. Bon, on y arrive, on s'en sort, tout va bien. Bah, il faudra peut-être l'amener quand même. Lui aussi est tendu, bah, il va aller prendre une douche pour le calmer. Voilà. Et donc on va s'arrêter là parce qu'il y a quand même Lucas qui a grandi dans cette vidéo, donc c'est plutôt bien. Il va commencer, j'espère, à avoir des bonnes notes à l'école. Gagner 3 parties d'échecs. Ah oui, d'accord, c'est son petit génie. Lire avec un adulte pendant 2 heures. Donc les échecs, je crois qu'on en a là-haut. Ouais, on en a là-haut. Donc il faut qu'il joue par exemple avec Guillaume. Mais c'est pas sûr qu'il gagne parce que Guillaume, je crois, a un niveau assez élevé en logique. Hein. Je vais regarder ça. En logique, il est niveau 4. Oh, ça va encore, ça va. Donc, ah, c'est bientôt l'anniversaire de Kim. Oh non! Elle va devenir grand-mère. Oh là 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 là. Non, 8... Ah, 8 jours, ça va. Il y a le temps que Luna grandisse. Et que lui, il grandisse aussi. D'ailleurs, si je clique sur... Plus de choix... Changer d'âge. Ah, donc on peut changer d'âge. Bah ouais, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça pour la fin de la vidéo. Et donc, à quelle tête va ressembler Link? Il va être pénible, curieux, dynamique, espiègle, indépendant, pot de colle. Indépendante. Hop! À quoi? Oh, il est trop mignon! Avec ses petits cheveux. Voilà. Donc, c'est Link. Maintenant, toute la famille a grandi. C'est cool. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour un prochain épisode des Sims 4 avec moi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de Kim et Guillaume. Allez, salut!